Oui, t'entends? Mais je suis déjà au cas, moi. Dis-moi, est-ce qu'il y a 5 manques de peinture dans le coffre? Ah, cherche pas au camp, je crois qu'il en reste. J'ai regardé, mais je suis pas sûr. Parce que au cousin là-bas, c'est combien les bombes? 750, je crois, non? Il reste qu'une seule bombe. Je l'avais dit qu'il en restait qu'une. Ah, Dans moi mon j'ai souvenir, il y en avait deux. Oui, mais j'en ai utilisé une pour faire le tag devant la maison. Bah du coup, prends du liquide et puis rejoins-moi. Là, je suis perdu. Et t'en achètes 4. 4 fois 750, quoi. Je suis pas certain que ce soit 750, c'est pour ça. 5 000, on verra si on a assez. Et t'es où toi, Duke, là? J'arrive. Le temps que tu prennes ça dans le coffre, je serai là. C'est bon, j'ai 5 000. M'a renvoyé mon buggy au garage de Paléto. Mais ouais, en vrai, les bombes de peinture, c'est 750. Hein. T'emmerdes de pas en prendre plus. Bah, fais 750 fois 5, écoute. 3 750. C'est fois 4, vu qu'il y en a déjà une au camp. Il en faut que 5. Il compte bien, le chef. Quand il s'agit d'argent, t'inquiète, je compte bien. Du coup, 3750 moins 750. 3750, c'est pour 4. Et comme il en faut 5, vu qu'il y en a déjà une au camp, 4 plus 1, ça fait 5. Ouais, mais t'as pas précisé. Si, juste, tu m'as coupé la parole, trou de balle. N'importe quoi. Bah, il fait ce qu'il veut, le nain. Il porte ce qu'il veut. Pardon, la personne de petite taille. Moi, ça, mes oreilles, ça va, hein, c'est les tiennes. Ouais, tranquille, t'inquiète. Donc, j'ai pris 3 000 et la bombe. Ok. Combien et la bombe? J'ai pas compris. 3 000 et la bombe. Au 3750. Et il en faut pas 5. Mais il en faut 4. Et 4 fois 750, papy, ça fait combien? Ça fait 3 000. Non, mais papy, il comprend vite, mais faut l'expliquer. Ah putain, oui, ça fait 3 000. Ça fait... Excuse-moi, papy, excuse-moi. T'as raison. Pour une fois qu'il a raison, il faut rendre à César ce qui appartient à César, hein. Avez-moi. Avez mes boules. Ok. Sur les bords du Nil, il y en avait, n'en parlons plus. Ils sont partis, n'en parlons plus. Putain, c'est dingue, ça. Même les classiques, c'est d'abord. Mais ta gueule, là, putain! Le matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. C'était un fusil. Pan! Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Tirez la première. Elle m'a touché, je suis foutu. Je vais la prendre par derrière. Je vais lui défoncer le... Oula, petit bague. Bague.
Tu dis vague, papy. Bah ouais, voilà. Vague. Duke, t'as pris ce que je t'ai dit tout à l'heure ou pas? Oui. Ok. Titi! Je suis prêt, à tout moment, ça part. Ouais, t'inquiète. Ça partira un jour, sans retour. Sans retour! Effacer, ouais, bah, non mais espèce de débile, c'est la... Mais non mais débile! Débile, mais il est... Il est dans la rivière, ce fou! Ah, Diogo, c'est un buggy que t'as, si tu mets un bateau, pour en acheter. J'ai eu un mal de tête, juste au moment. Et bien évidemment, le fameux mal de tête, bien sûr. Le mal de tête, tu m'as plutôt sauvé la vie qu'autre chose. Ah, le mal de tête pendant le virage, j'ai rien vu. Ok. J'ai réouvert les yeux, on était à 2 mètres du bord de la rivière. Ok, on va dire bénéfice du doute. Après, t'as quand même dit, allez, donc moi je me suis dit... D'ailleurs, j'ai envie de me tatouer. Papy, est-ce qu'il y a moyen que tu me tatoues la teub? J'ai envie que ça soit marqué le doute, parce que comme ça, le doute m'habite. Ouais, mais on t'a déjà dit, ça sera marqué que le D, c'est tout. Et laisse-moi tranquille. Au moins, il y a 3 lettres. Sur la mienne, c'est déjà marqué, ceci n'est pas un panneau publicitaire, en largeur. Ah oui, d'accord. Ouais, mais ça, c'est quand on étire l'image sur Photoshop, ça. Terre brûlée au vent. Ah, je pensais que papy allait suivre. Des landes de pierre. Excuse-moi, je suis en train de tweeter, je suis en train de découvrir cette application merveilleuse. Papy, arrête de tweeter, t'as vu les trucs de merde. Non, mais en plus, tu mets des trucs bizarres, ouais. Tu connais ma ratio. La 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 la. Pétard. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armorique et je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hé, avec ton idée de tatouage, ça me donne le bénéfice du doute. Non, tu touches plus à ma bite. Et papy, coucou, tu veux voir ma... Non, c'est bon, tu l'as déjà vu. Bref. Je vois des trucs de malade. Ah oui, en effet. Je vois des malades qui font des trucs aussi. Ouais, et il y a un mec qui a tagué un truc sur un mur. J'ai rien compris. Par contre, où est-ce qu'il a eu ses bombes de tags, cet enculé? Faut le choper. Il a tagué quoi? Oui, Itadakima. Ouais, vas-y, nique ta mère aussi, hein, c'est bon. Quoi? C'est du japonais. Non mais par contre j'aimerais bien savoir là où est-ce qu'ils ont eu leur bombe de tag là, parce que à un moment donné personne ne nous en achète mais tout le monde en a, c'est quoi ce bordel? Vous êtes plus au camp là, vous êtes loin du camp je parie. Oui. Ah, j'ai juste un petit bip. Oui. Merde. C'est pas grave, après on va remonter la voiture, je vais prendre mon calibre. Moi c'est bon, les gens là, s'ils veulent des bombes de tag, faut qu'ils passent par moi, il y en a plein le cul au bout d'un moment. Vas-y, je t'attends. T'es sûr que c'est là? Non, c'est de l'autre côté de la route, mais je vais pas me mettre là-bas. Ah oui.
réfléchis. Je réfléchis si je veux. Et c'est pas souvent. Ratio. Du camp, enfin de du bénis ou pas, juste pour savoir. On est en train d'acheter ce qu'il faut. Ok, vas-y, ça marche. Mais moi je remonte au camp, je vais chercher ce que tu sais, enfin mon calibre quoi. Macario. Ah bah écoute, je suis désolé, mais on est d'accord qu'on a un business. Si les gens commencent à ne pas passer par nous pour avoir des trucs, il y a un moment donné, il faut qu'on monte les dents. Donc j'espère que vous êtes armés tous les deux. Non, je croyais que c'était pour l'autre. Ah non, du tout. Non. Là, je viens de voir un tweet d'un mec habillé tout en orange, je sais pas c'est qui a tagué un truc chelou là sur un mur. Moi, je veux savoir où est-ce qu'il a eu ses bombes de tag. Ouais, j'étais en train de faire ce que j'allais te dire, j'entends. Mais là, ça te dérangeait ? Non, c'est-à-dire que... Oui. Hey. Je suis pas un grand fan des blonds aux yeux bleus. Vous êtes armés tous les deux ou pas? Juste pour savoir si je vous prends quelque chose. J'ai une clé. Ma bite a quelque chose ou pas? Ma bite? Mais à part ça, j'ai rien. Ouais, mais il a rien je alors. Je prends une machette à tous les deux. Ah, quoique, toi t'as ta clé, donc juste une machette, ça suffira. Un signe. Un matin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin. Ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Non, j'ai pas percuté tout de suite que t'avais changé de chanson. J'ai dit merde, il part en freestyle. Bah écoute, y a des mots comme ça te donne un titre de chanson direct. Ça peut être un jeu. Hein. Rayon de soleil. Oh, putain la vache. Je croyais qu'il faisait un AVC à côté de moi. Ah non, non, t'inquiète. Eh, qu'est-ce qu'on fait? On se touche. D'accord. On se touche? Comment ça? Bah, c'est tonton. Oula. Ouais, mais faites passer en radio, s'il vous plaît. Ah bah, je sais pas, je m'arrête sous un pont, il me fait « Monde, qu'est-ce qu'on fait ?» Ah bah, détends-toi, on est juste arrêté. du coup, on a ce qu'il faut, mais Bah, je dois Ouais, vas-y, je suis juste parti chercher ce que j'ai besoin, et puis j'arrive. T'as, si j'avais su, j'aurais vu le tweet plus tôt, je t'aurais demandé de descendre. Mon calibre. Demoiselle, c'est un président de l'allée, sa démarche lui donne des ailes. J'ose mais pas m'emballer. Pas m'emballer. Et si jamais, et jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme l'hirondelle. Meurs pas, papy, meurs pas. On a encore besoin de toi. Papy, quand tu seras mort, tu vas nous manquer, hein. Enfin, plus à Dieu qu'à nous, mais tu vas nous manquer. Non, mais il crèvera jamais, lui, c'est de la saloperie comme ça, laisse tomber. On t'aime, papy, tu le sais. Même si ouais, t'es ouais. Chiant. Moi, j'ai rien dit, hein. On t'apprécie, papy. Mais bon, pas tout le temps, mais on t'apprécie. C'est vrai, quand il dort, on l'apprécie. Oui, voilà. Oh, arrête avec la radio. C'est pas moi, c'est Duke. Aïe!
Faut que tu me frappes. Non mais... T'as menti. Je mens jamais. Je mets juste des détails. Non, 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 je suis désolé, t'as dit, c'est pas moi, c'est Duke, je suis désolé, là, je vous ennuyez, allez faire un tour, j'ai l'impression que c'est au parking d'Elis Custom qu'il y a eu le tag. Elis Custom, où on craft les... Oui, oui d'accord, okay. Voilà. Pinewood, ok. C'est ça. Regarde Twitter, tu verras, moi, pour moi, ça a l'air d'être là, mais pas sûr. Ouais, attends, je vais voir. Passez, hein, vous vous arrêtez pas au cas où qui serait encore à côté ou j'en sais rien. Tonton. Quoi? Mais c'est quoi cette photo? Quoi? C'était toi quand t'étais, quand t'avais encore des cheveux, vous? Non, c'est Jacques Chirac. Mais putain, tonton, pourquoi la biche? Avec les conneries à tonton, là, je vois rien. Comment ça? Bah, avec les conneries à tonton sur Twitter, je vois pas ton tag. Descends un petit peu, c'est LD Organics qui a tweeté. Il est entre Luigi et Jacques Chirac. Tape LD Organics, ou juste LD, tu devrais trouver. Ok, j'ai. Alors, oui... Il y a une sultane orange, je sais ouais. Pas du tout. Ouais, même j'ai pas réussi à comprendre ce que c'est écrit. Atadakimasu Baka. Ouais, le je l'ai. Après, il y a un I. Itadakimasu, et la fin c'est Baka. Itadakimasu Baka. Ok, et ça veut dire? Absolument, je sais pas. Alors qui roule en sultan orange comme ça? Et qui s'habille tout en orange aussi? Le Bayern de Munich. À part les prisonniers de Bolingbrook, qui c'est qui s'habille en orange? Qui c'est qui a pas de goût comme ça? J'en sais rien. Non, bah ça sert à rien qu'on y aille. Bah non. Comment tu vas y aller voir, mais... Non. Bah, si moi, je passe pas les taux, récupérer mon buggy et puis... Et puis vas-y. Je vais téléphoner au cops et après on va se mettre en chasse au mec orange, là. Papy, tu vas te coucher quand? Juste pour savoir. Oh bah je pense que je vais pas traîner. Et on a encore le temps un petit peu ou pas? Juste comme ça au cas où. Oh bah je pense qu'on peut un tout petit peu. Ok, ça roule. De toute façon, je vais pas les traquer pendant 20 minutes non plus. Hein. On va chercher 5-10 minutes et après voilà. Ouais, on va faire ça pour rien alors. De quoi? Je dis on va faire ça pour rien du coup alors. Non, c'est pas dit pour rien, ça se trouve dans 3 minutes on les chope. De toute façon, ils tweetent beaucoup, c'est des tweeteuses, donc on va voir. Ouais, ça me fait halluciner, ça. Donc, comme c'est des tweeteuses, eh ben, on guette les tweets et puis on a juste à les choper, hein, c'est tout. Moi, ma question va être très simple, c'est où ils ont eu comment ils ont eu les bombes de peinture? Et que si maintenant ils en veulent, faut qu'ils passent par nous. Et s'ils veulent pas passer par nous, ben chaque fois qu'on verra un tag, de 1 on les fasse, de 2 on les soulève. À un moment donné, il va falloir qu'on commence à se faire respecter un petit peu. Ouais, enfin, la première fois tu les tapes, la deuxième fois tu les soulèves, et la troisième fois on coupe des doigts. Non mais totalement. Oh merde, il y avait une barrière. Non mais totalement. Non, mais là-dessus, je te confirme, il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que là, je devais le couler, faire des bombes de peinture, c'est pas la première fois déjà. Mais non. Bah, déjà, rien que les. rien que les Lost, hein, voilà. Ouais, enfin, on sait à peu près d'où ça vient. Oui. Voilà. Mais là, c'est quand même bizarre, parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu Shadow en ville.
Il a mis un message sur Twitter cet après-midi ou hier soir? Ah ouais, ok. Bah je sais pas, en fait, il y a tellement de gens qui tweetent, même des mecs chelous masqués et tout, là. Il a mis juste une photo de je sais pas quoi, d'ailleurs, et il a juste mis je suis encore là, m'oubliez pas, je sais pas quoi. Ouais, bah, un fantôme, quoi, de toute façon. Par contre, il y a un ghost avec une photo de Ghostface, là. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, hier, c'était vendredi 13. Hein. Oui, mais sauf que le ghost en question, là, il a cramé une baraque. Oui, bah oui, la baraque, elle est juste à côté du camp. D'accord, c'est parce qu'il est sombré. Oui, oui, et je sais pas c'est chez qui, mais en tout cas, il y a une grosse baraque, là, à côté du camp, en plein milieu des bois. Merde. Mais d'ailleurs, ça serait bien de savoir à qui elle est cette maison, parce que, comment dire, elle est habitée, c'est sûr. Elle est en plein milieu des bois, mais elle est habitée. Bah, elle était habitée, parce qu'elle a cramé, maintenant, sauf si elle était reconstruite depuis. Tiens, en fait, j'ai pas pensé à vous dire, cet après-midi, j'ai vu des trucs de fou au camp. T'as vu quoi? Oh, je suis sorti de ma baraque 5 minutes, là, je voulais... Merde, mon Tamagotchi me casse les couilles, j'arrive. Vas-y. Nettoyer sa crotte. Oh là là, comment ça fait plaisir de retrouver son buggy. Quoi? Non, rien. Papy? Feur. Quoi? Non, rien. Bah, feur. Ça y est, putain, Duke. Aide-moi, s'il te plaît. Y'a papy qui n'était sur moi, je deviens aussi con que lui. Cette famille. Putain, cette famille, bordel de merde. Donc, quand je serai vieux, je serai aussi sénile que lui. Enferme-moi, Duke, ok. Duke, promets-moi un truc. Si je deviens aussi sénile que papy, enferme-moi ou tue-moi. Y a pas la réponse D. Non, y a pas la réponse D, non. Eh non, mais moi je suis pas sénile. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Ok, je suis en ville là. Vous êtes où? À ton cul. Ça t'y était déjà quand j'étais petit, papy, arrête. Non mais c'est bon. De récupérer le buggy, je suis déjà à 180 en ville. À ce moment-là, tu m'appelles papy comme tout le monde maintenant. Bah oui. T'es vieux, faut assumer. Hein. Je suis stérile et je suis ton tonton. Mais tout le monde t'appelle papy, alors moi aussi je t'appelle papy. Ah. Bon, du coup, le tag n'est pas fait au LS Custom, hein, je viens d'y passer. Mais du coup, il est fait où? Bon, vous êtes où que je vous donne ce qu'il faut? Benny. Ok, j'ai un. Chier, j'ai perdu ma partie. Ouais, bon, si jamais on trouve une sultane orange, on essaiera de la suivre. Get... T'entends? T'entends? Quoi? Non, rien.
jamais tu me fais mais ça. Putain. Non mais hey. Oh. Attention. Toi attention. Tap 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 tap. Papy, ton chiffre. 33, 34, 34. Tiens. Merci. C'est au cas où. Bon, moi j'appelle les autres. J'arrive. Vas-y, ben arrive. Comment il s'appelait le mec? C'est Mac Grady quelque chose. Mais je l'appelle. Ouais, c'est Bobby. J'ai ta commande. ouais, traîne pas, s'il te plaît. On est au bénis. Vas-y, super, tout de suite. Ok, ça c'est bon. T'as le vieux. Eh ben. D'accord. Putain, y'a un temps de latence entre. Un orteil, mais bon, pas plus quoi. Ouais. Non, rien. On discute entre nous. Entre adultes qu'on s'entend. Parce qu'on s'entend, vu qu'on discute. Et on est cons. Donc, on est entre adultes qui sont consentants. Je vais pas s'entendre, moi. Je me lave. Mais non, mais putain, comme on discute, on s'entend. Et comme on est cons. Et qu'on discute, on est consentant. Papy, j'ai raison. Attention oui. À ce que tu veux dire, papy. Ok. T'as vu, entre le moment où je lui parle et le moment où il a la réponse, il y a une latence. Au moins, ouais, au moins. Je crois que j'ai vu l'info monter jusqu'au cerveau. Ouais. Il y a au moins 100 de ping. Oui. Papy. Oui. Ah, attends, là, il y a eu un lag. Ça va, papy? Oui. T'es toujours tatoueur? Oui, je crois. Ok. Oh putain, ça veut dire que vu qu'il y a la latence, on peut mélanger les réponses. Ça pourrait être drôle. Papy! Est-ce que t'es beau? Quoi? Est-ce que tu m'entends? Faire! Et il se répond à lui tout seul, en fait. Ouais. Alors, s'il prend tes questions plus les siennes, alors là, ça va faire un sacré bordel. Mais pourquoi il danse maintenant? Tu m'expliques? T'entends? Waouh, c'est. Ouais. Il est pas net, hein. Bon, je te laisse faire ton business avec eux. Il donne 1 dollar. C'est papy qui a les tout sur lui. Ah, vas-y, ouais. Fais-le. Ouais, heureux. Vas-y, ouais, manque 1000 balles par contre, hein. Allez, hop, on a boule les. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète. Les bons comptes font les bons amis. Moi, je suis comme un investisseur, moi, je paye toujours mes. Et moi, je vais vous dire les trucs, là. J'ai une petite question. Okay, dis-moi. Vu que vous êtes cop, si vous êtes peut-être arrêté. Vous avez quoi comme information sur la personne là, qui est habillée tout en orange, on dirait un évadé de la prison, là? Habillé tout en orange. Ouais, bah, c'est Twitter. C'est lui? Ah! C'est toi? Je suis pas habillé tout en orange, moi. Je suis pas trop au réseau, donc attends. Non, regarde sur Twitter, y'a un mec, LD Organics, là, dans une sultane orange, qui a tagué un truc près du Comico, je sais pas quoi. Oh, je crois que c'est un vendeur de CBD ou je sais pas quoi. Ouais, mais j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il a eu ses bombes de peinture, en fait, parce que je suis le seul à les vendre en ville.
Alors là. Je le connais pas, ce mec-là. Non, je connais pas non plus. J'ai croisé sur son BMX, c'est tout. Bon, si jamais vous retrouvez un cadavre, c'est lui, mais c'est pas moi. T'inquiète, moi je vois rien, j'entends rien quand c'est quartier sud. Eh ben, souhait. T'es souhait, bébé. T'es covidé ou pas? Il est pas net, il se répond à lui-même tout seul. Non, il a mis un tweet comme qu'il avait pas le Covid. Ok, bon, c'est parfait. Négatif au Covid, mais positif au swag. Ouais, carrément. Ok. Et du coup, merci pour les buggy. Et pour le. Tu l'as retrouvé du coup? Bah ouais, regarde, il est là-bas. Il était où? Bah apparemment la fourrière l'avait sorti, elle l'avait remis dans mon garage. Donc... Ok. Bon, je dirais pas qu'après une sortie, j'ai roulé à 180, c'est faux. Moi je m'en fous. Complètement. Ok, super. Bon, ben vas-y. T'as le pire pilote de tout Los Santos à ta droite là. Ouais. Ah bah tiens. Bizarrement, j'en ai un à ma gauche aussi. Non, ça va. Non, ça va. Ouais, quoique. T'as failli finir dans la rivière tout à l'heure. Oh ta gueule, papy, c'est pas ma faute. Mais voilà, quand t'as un truc comme ça à côté de toi, c'est compliqué. Quoi, il t'a mis la main sur la cuisse, c'est ça? Seulement. Sur le Sboobi. Ah, c'est pas vrai, les écoutez pas. Tiens, mets-les dans mon sac. Ouais, merci. Ouais, ouais. Voilà. Mais vas-y, hein, faites bon usage des bombes de peinture et quand vous en avez besoin. On va repeindre la maison. Petit coup de téléphone. T'inquiète. Ça marche. Bon, on va t'en prendre assez souvent, pas tout de suite, mais après il va y avoir un roulement, on t'en prendra assez souvent. Vas-y. Bon, je t'avoue, je préférerais l'argent de la rue, mais bon, pour vous, c'est compliqué. Ouais, donc, nous, c'est trop compliqué pour ça. Ouais, mais tranquille. Allume-nous sur les prix si tu veux, mais on pourra non, pas. Non, bah, je te dis 1002 en argent de banque, en billet de banque, et moi, ça me va. Ouais, bah, c'est parfait. Même si tu veux monter les prix, moi, ça me dérange pas du tout si ça t'arrange. Non, je vais pas monter les prix, c'est bon. Voilà. Ouais. Mais au moins, vous avez les tarots. Ok, c'est cool. Bah, je te remercie en tout cas. Ça c'est dur, hein. Puis, même pour des bombes de peinture, les gens sont parano de ouf, quoi. C'est incroyable. Ah oui, non, mais c'est. Et ils pensent qu'on va violer une grand-mère avec. Bah, tu sais, après, le problème, c'est que dans certains pays, il y en a les bombes de peinture comme ça, ils les vident dans un sachet en plastique et ils les sniffent. Ouais, non, mais bon. Non, mais vraiment, ça. Vraiment, c'est. Ah non, mais c'est... oui, je te crois, je connais. Voilà, donc. Parce on tombe sur des lascars bizarres dans les rues, t'inquiète. Je me doute. Mais oui, ça a déjà été vu que dans des sachets de congélation, ils vident ça et après, un petit coup de sniff et c'est bon. Ouais, bombe de peinture, voilà, ils font ça aussi avec le. Comment ça s'appelle? Le écarlate. Avec de la colle. Ouais, la colle aussi. Faut pas demander. Qu'est-ce qu'il faut. Donc là, si quelqu'un commence là-dessus, on va être bon client. Ok, ça marche. Bah tiens, en parlant du loup, ça me fume. Mais non, j'ai l'impression que c'est Twitter's Land, hein, vraiment. Il n'y a personne qui règle ses comptes, ça se fait directement sur Twitter. C'est la nouvelle délinquance 2.0. Ouais, mais putain, s'ils croient être discrets en orange, voilà quoi. En plus, je crois que je reconnais le décor, l'enculé. Je crois que c'est dans ma rue, ça. Ouais, c'est pas derrière chez nous. Je crois même que c'est il a tagué le mur de ma baraque, je crois, l'enculé. C'est pas entre GS et. Si, il y a Davis derrière le carwash. Juste derrière le carwash et le barbier. Ok. Entre le carwash et la station de pompiers. On va aller voir. De toute façon, moi, tant qu'il me dit pas qu'il a eu ses bombes, je vais effacer cette tag, je te le dis. Si. Allez, vas-y. Allez, attention, mettez la ceinture. Enfin, mettez les cordes. T'inquiète. Vas-y, on va aller faire un petit tour 5 minutes et après, voilà. Teinture. Non, je bois et je mange. Bois et mange. Attention. Espèce de fou.
Bon, on va rouler doucement ici, il y a des enfants qui jouent. Je peux aller voir les enfants qui... Non, bref. Papy, tu vas te calmer quand même, hein, voyons, papy. Désolé. Ouais, désolé. Fais attention quand même à ce que tu dis, hein, voyons. Oui, je me calme. T'as plus l'âge de jouer avec eux. Il a dit quoi, le COPS, là, station de lavage auto, c'est ça? Ouais, près de la station de lavage, ouais. Ça doit être dans les ruelles ici, quelque part, à mon avis. Regardez, de toute façon, un mec habillé tout en orange, ça peut pas être... voilà. Faut la bagnole qui ferme. Oula! Mais je viens de me faire tirer dessus, c'est quoi ce délire? Pardon? Ouais. Putain, ouais, j'entends tirer, c'est quoi ce bordel? Mais ouais, mais je sais pas sur qui ça tire. Je sais pas si c'est sur moi ou pas en fait, je sais pas où ça tire. C'est... Moi j'entends tirer près de la caserne de pompiers. Ouais, bah ça doit être dans ce coin là. Fais gaffe à toi. Ah ouais, ça vient de me tirer dessus. Encore une fois. Fais gaffe. Hein. Mais ça nous tire dessus, mais je sais pas de où, c'est ça le problème, putain. Voilà, c'est des tweeteuses, et une fois que... Bah, ça lâche ou planqué, tu vois. Ça se montre pas. Ah, je crois que je l'ai vu, le mec en orange. Il est où? Non, c'est un sac poubelle. En fait, j'ai vu un truc orange de loin, mais c'est un sac poubelle. Bon, va falloir se méfier d'eux, hein, je te le dis. Hein. Ah, mais ça hésite pas. Ça tire encore. Ben oui, mais je sais pas si c'est sur nous ou pas. Non, c'est pas sur nous, hein. Je sais pas où ça tire. Mais... C'est là, du côté de la section que ça tient. En fait, le truc, c'est que je sais pas d'où ça vient. Il y a un mec là-bas à la station, et là, il lève les mains. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Vas-y, on s'en bat les couilles, c'est pas un mec en orange. Il a une batte dans le dos. Ouais, bah, et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Non, mais je regardais pourquoi il lève les mains, surtout. On va pas s'en approcher parce que je le sens pas. Bon, vas-y. C'est pas grave. Vas-y, je vais aller au magasin de vêtements vite fait. Ah ben, je vais faire pareil. Mais ça me termine parce qu'il y a eu là les tirs et personne réagit, même pas les cops. Ouais, bah vas-y, tu peux me rendre la machette. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent avoir des armes un peu silencieuses. Ouais. Enfin, là, ça tirait pas au silencieux. Oui, non, mais quand t'es à côté, t'as pas l'impression, mais...
Merci, papy. Bah, allez, magasin. Je vais aller me changer et aller me coucher. Vas-y. Ça va? Pourquoi tu regardes comme ça? Je regarde. Comment te dire? T'as vieilli ton tournoi? Bah non, je suis vieux. J'ai pas vieilli, je suis vieux. Putain, Bobby n'est pas dispo. Ça fait chier, jamais. Je me suis blessé tout à l'heure à la voiture et Bobby est en intervention, cassé les couilles. J'avais une écorche au genou et je saignais. Mais je vois des trucs d'un malade, moi. Comment ça? Ah bah, les voitures elles sont là et elles sont plus là. Ah, ok. Bon, j'attends 5 minutes, hein. Il y a Bobby qui doit appeler un autre médecin pour voir s'il y a moyen qu'il me prenne 2 minutes pour me soigner parce que je sens que je vais pas tarder à pas être bien bien. Ils en ont pas marre de faire les tuiteuses. Et RPZ Forum Drive, on s'en bat les couilles de Forum Drive. Ah, merde, je suis là. Oui, non. T'as un papy? Pas trop fatigué? Ça va. T'inquiète. On te ramène bientôt au camp. J'attends juste que les EMS m'appellent pour aller me soigner et comme ça, après, je remonte avec toi et je me couche aussi. Pas avec toi, par contre. Okay. Je me couche tout seul. D'accord. Oui, non. Oui, non, mais on a très bien compris, t'inquiète pas. Non, mais je le précise pour lui. T'as la nostalgie, on comprend. Absolument pas. Ma rondelle en a plein le cul, si je peux dire ça comme ça. Ouais, bah oui, forcément, ouais. Eh bah oui, c'est... Voilà. Ouais, ta gueule. Non, mais ça va, ouais. Et c'est l'autre connard, là, sur la rue, il a dit un truc, j'ai pas compris. Ah, mais ils disent tous des trucs. Bah oui, en même temps, ils sont pas muets. Bon, au pire, on peut déjà avancer à l'hôpital. Au pire, oui, belle idée. Bon, allez, vas-y. Allez. Boum boum, les voitures. Boum boum, allez, c'est parti. Vroom vroom, les voitures! Attention, mais ça va? Ben ça va, oui, et toi? Ben, t'as quand même tapé plusieurs trucs là. Ouais, j'ai tapé une poubelle. Et une mort incendie aussi. Oui, bon, c'est pour les enfants, ils ont de l'eau comme ça. Ouais, tu me l'as déjà fait ce coup là.
Mais quoi, bon, moi je pense aux enfants. Mais ouais, toi aussi, ouais. Mais différemment, Tom. T'inquiète. Là, c'est pour les enfants que tu vas me dire. J'ai frôlé. Ouais. Mais tu sais, c'est comme les croquettes, frôlé. Ah, c'est Frolix, les croquettes. Oui, bah c'était pour la vanne, ok. Ouais. Je suis pas plombier, ok, mais je fais des vannes. Oh. Oula, oui, t'es fatigué. Je t'attends là. Non, bah viens avec nous, putain, tu vas pas me laisser aller tout seul. Bah c'est pour toi. Je l'ai perdu. Vous êtes, je l'ai perdu. Il est pas là. Ah oui. Duc. Ouais, j'arrive. Lui, il a vu la barre d'incendie, hein. Mais le bonsoir. Il y a un EMS qui est là, il vient de m'appeler, j'attends, il m'a dit attends 5 petites minutes que je te prenne, que je me mette en tenue, et puis, ah, merde. Ah, bah super, mais non mais moi je vais me faire soigner. Voilà, si je fais ça, si on me la vole pas, parce que la dernière fois, merde, à chaque fois elle se retrouve à foufner les trucs là, les perpètes les oies. Tiens papy, tu trembles, qu'est-ce qui se passe? Ben je tremble pas. Si tu trembles. Ben non. Si tu trembles papy, je te vois. Montre. Ah ouais, t'es tout mouillé du cul. Ben non, ben je tremble pas. C'est quoi ces histoires? Si tu trembles. Bon papy, bonjour messieurs dames, c'est pour ce monsieur. Bonsoir papy. Bonsoir. Papi. Alors mon neveu il s'est gratiné donc il faudrait voir son genou. Allez, tonton. Fais le papy. Mais fais le papillon, Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Baisse les bras. Allez, je t'aide à baisser les bras. Allez, hop, je te mets le serflex là. Papy, qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes en train de m'attacher, bande de. On t'a repris tu vas finir à l'EHPAD ce week-end. Voilà. Comment ça? C'est quoi ces conneries? Non, c'est. Papy. La dernière fois que t'es venu, ça s'était bien passé. Non, mais t'as recommencé tes conneries en pire. Si. T'es pire qu'avant, papy. Je suis insupportable, tu m'énerves. Comment ça? Mais c'est un motif, ça, non. Monsieur les médecins? Écoute, non, regarde, encore, il n'y a pas plus tard que 5 minutes. On passe dans une rue, je dis attention, il y a des enfants qui jouent. On va rouler doucement. Il me dit, oh, je peux descendre, aller jouer avec les enfants. Trouvez ça normal d'un homme de 67 ans? De 63, je sais plus. Non, enfin, on se connaît pas. Oui, sorti de son contexte, on est d'accord, c'est très bizarre. Mais dans son contexte aussi, c'est très bizarre. Je veux juste retourner à un curé, rassurez-moi. Mais moi, je veux juste retourner à l'enfance. C'est pas un ancien curé, rassurez-moi. Non, mais. C'est pas un ancien homme d'église. Là, tu vas où? Tu vois rien avec ton. Allez, viens. Ben oui, justement. Je vais faire comme les chauves-souris, écolocalisation. Une fois, pas deux. Allez, hop. Quelqu'un peut m'aider à le porter parce que c'est pas que, mais il est un peu lourd quand même. Hein. Je prends pas sur moi. Qu'est-ce qui se passe, bande de salauds? Lâchez-moi! Papy, tu vas à l'EHPAD! Je suis autonome! Non, t'es pas autonome! Je suis autonome! Vous voyez ce point? Il se prend pour une Tesla! Je suis autonome!
Où est-ce que je suis? Je vois plus rien. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Alors, j'ai bien une idée d'où est ta tête, mais c'est peut-être pour ça que tu vois plus rien. Je tirais dans ton cul. Non, dans le mien, du coup. Mais ça là, va bien se passer, papy. Non, ça va pas bien se passer. Papy, si, ça va aller, ça va bien se passer. Non, ça va pas y aller, ça va pas y aller, moi je vous si, le dis. Si, ça va bien se passer, papy. C'est un traquenard, vous êtes en train de me foutre dans un traquenard, bande de salauds. Donc, comme je disais, les papiers ont déjà été signés la semaine dernière avec Bobby, tout est bon. D'accord. Il a déjà sa chambre attitrée, ne vous en faites pas. D'accord, je vous suis. Au cas où, fermez les portes à clé, parce que je sens que s'il se barre, voilà. Lâchez-moi, non, vous... Ouais, c'est là. Mais s'il a une chambre attitrée, je pense qu'ils ont dû mettre des verrous supplémentaires. Oui, à l'extérieur. Lâchez-moi, papy. Lâchez-moi, putain. Je vous dis. Oh, il m'énerve. Ah ouais, il faut encore monter. Putain, éduquez-moi, il est lourd, cet enfant. Je suis là, Ah ouais, c'est ici, c'est normal, oui, t'inquiète pas. Tu vas reconnaître les lieux dans quelques secondes. La 10, voilà. Non. Non, c'est celle-là. Voilà, avec Myriam, Chez moi, non, je veux pas voir Myriam. Marguerite, Myriam, j'en ai rien à foutre, je veux pas les voir. Voilà. Laissez-moi rentrer chez moi avec les oiseaux et les oignons. Donc je te laisse lui enlever le sachet sur la tête. Ouais, fermez bien, Clé. Non, laissez-moi sortir. Papy. Papy. Quoi? Papy, écoutez-moi. Je vous écoute pas. Vous êtes tous des collabos. C'est normal, il est... Alors, et ton petit fils de résistant? Non, je suis pas collaborateur, ça c'est clair. S'il vous plaît, respectez-moi. Pardon? Ah non, je pensais que tu parlais de moi, pardon. Ah non, moi. Ah ok, j'avais papy. Mal compris. Non. Mademoiselle, papy, bon si vous êtes gentil... Lui, hein. Je ne discute pas. Allez, s'il vous plaît, quand même, papy. Je discute pas avec des terroristes, on ne négocie pas. Non, s'il vous plaît, papy, mesurez-vous. Ça va, t'inquiète. Ça va? Ah, merci, Bobby. Oui. J'ai un gros doute d'un coup, là. T'inquiète. Moi aussi, le doute m'habite. Ah non, j'ai pas encore mon tatouage, pardon. Non, vous inquiétez pas. Papy, sors de là, ça va bien se passer. Mais je sortirai pas. Oui? Je te laisse faire, si tu veux. Non, c'est pas ça. Les lames et tout, ça a bien été retiré. Ah ouais, tout a été retiré, il n'y a aucune lame. Faites bien attention quand même, à lui laisser rien de tranchant. Cette chambre-là, je mettais jamais personne dedans parce que justement, je la trouvais bien trop safe à mon goût et j'ai vu qu'il y avait 3 cadenas différents. Eh ben, c'est pour papy. D'accord. Okay. Bon, on se rend, hein. Papy, sors de là. Non. Papy, sors allez, de papy. Là. Ah. Pouvez juste m'ouvrir 2 minutes que je sorte. Enfin, oui. Je vais juste aux toilettes et je reviens. Hop, merci beaucoup. Allez-y. Merci. Et hop, je referme. Tac. Tonton. Non, toi, je te parle pas. Sors. Non. Sors. Bon, tu sors ou je te sors? Mais viens me sortir si t'es un homme! Oh putain! Il est en train de faire quoi là? Je ne veux pas le savoir. Papy? Les voir! On est à l'hôpital! Papy? Quoi? Vous faites quoi? Du contentionnisme! J'ai encore le droit de faire ce que je veux! Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous me respectez pas. Mais si, je vous respecte. Vous m'avez dit que vous avez des petits soucis de santé là. Mais quoi. J'ai pas de soucis de santé, c'est lui qui a mis. Non. Pardon? Allez, papy, venez, on va discuter. Mais non, mais je veux pas discuter, moi. Vous savez, moi je suis gentil. Bonsoir. Oui, vous pouvez m'ouvrir ma chambre? Qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je suis Mathilde. Mathilde, partez. Il y a un malentendu. Mais dites donc, bonsoir. Bonsoir. On va partager cette chambre cette nuit? Non, moi je sors tout de suite, là, maintenant.
Oh, un grand fou comme vous, on peut partager le lit aussi. Alors, partage rien du tout. Comment il s'appelle ce bon monsieur? Il s'appelle Ernest. Ernest? Oh, quel joli prénom. Non, c'est pas un joli prénom. Pas dans votre bouche, en tout cas. Je fais pas mon timide. Non, tu fais quoi là? Je fais faire! Voilà ce que je fais! Allez, descendez! Descendez tout de suite! Par contre, faut se cotiser son numéro. Ernest? Quoi? On peut discuter peut-être? Je veux pas discuter! Moi je veux sortir! Avec moi? Oh, un premier rendez-vous, ça fait si longtemps! Oh, Ernest! Je vais sortir de cette chambre! Oh, j'ai un rendez-vous! Vous imaginez? Ça fait 40 ans que j'en ai pas eu! Oui, ben là, ça fera 40 ans et un jour de vous plus! Vous êtes très belle, madame. Vous êtes magnifique. Oh, merci! J'osais pas le dire. J'étais comme vous à votre âge. Joy, attends, je suis un peu occupé là. Vous serez peut-être comme moi à mon âge. Hein. Mais j'espère. Ça vous fait combien? Je sais pas du tout, mais. Barre-toi de chez moi, pas vite. Elle est encore là, la morue! Parce que tu. Ça c'est pas gentil, ça. Tonton, sors, viens dire pardon, dépêche-toi. Je dis pardon à personne. Moi je me fais enfermer de force dans cette. Dépêche-toi. Non, jamais. Dépêche-toi, je te dis. Moi qui me faisais une joie. Eh ben vous allez continuer à rêver. Tu. Là, mais là encore là, elle. Ernest. Là. Mon bien-aimé. Non, je suis le bien-aimé de personne. Si, de moi. Non. Bon, et plutôt que d'essayer de le faire sortir, allez, rentrez avec lui. Ouais, je vais. Bien sûr que je vais rentrer. Viens, Ernest, on va prendre une douche à deux. Non, pas de si, douche. Si, Ernest. Non. Ernest. Non, pas de douche. Je veux pas. Ernest. Non, c'est bon, t'inquiète. Bon. Est-ce que vous auriez un somnifère pour lui? Je m'occupe de lui. J'ai un truc. Je reste dans cette chambre cette nuit, mais je veux pas qu'elle soit là, elle. Pourquoi? Bah, c'est ma chambre. Eh ben, changez-moi de chambre. Mettez-moi dans une chambre individuelle. Ah non, papy, c'est quoi le problème? Mais c'est elle, le problème. Pourquoi? Pour faire, allez. Elle a rien demandé, la pauvre. Eh ben, moi non plus, j'ai pas demandé. Vous pensez que j'ai demandé d'être là, moi? On est dans le même bateau, tous les deux. Et vous aussi, vous avez été enfermé de force par votre famille? Ah non, du tout, moi je suis de mon plein gré. Eh ben voilà, on n'est pas du tout dans le même bateau. Mais on n'y allait pas tous les deux. Ces jeunes gens s'occupent bien de nous. Tada, vous là, ils s'occupent pas bien de nous. Vous êtes le Titanic, moi je suis le Costa Concordia, on n'est pas dans le même bateau. C'est pas gentil. Ernest, je vais pleurer. Eh ben pleurez, vous pisserez moins. Papy? On dira. Tu es triste. Je vais vous donner une idée radicale de ne pas faire des choses avec moi. Papy? Papy, pourquoi vous êtes méchant avec avec Mathilde? Je suis méchant avec qui je veux, d'accord? Mais pourquoi vous êtes méchant? Mais parce que moi je me fais enfermer de force ici, on me donne une camarade de chambre et j'ai plus l'âge de dormir dans un dortoir, moi. D'accord, mais est-ce que vous voyez pas ça comme une nouvelle expérience? Vous voyez ça comme une nouvelle expérience? Vous êtes toujours... Non. De l'expérience, non, mais... j'en ai, hein. Oui, oui, bah moi aussi, j'ai vous pas envie vous savez, apparemment, sans le dentier, c'est incroyable. Enfin bref, mais... Oui, je sais, mais bon... Ah oui? Non mais ça me le coûte d'un... Monsieur connaît ça. Vous partez. Papy, ah non. Papy, écoutez-moi. Là, vous voyez ça comme juste un petit séjour. Donc là, moi, à ce que j'ai compris, vos neveux, vous faites quand même pas mal de bêtises, surtout pour aller jouer avec des enfants, au vu de votre Je condition. Joue pas avec des enfants, je joue avec Twitter. C'est d'ailleurs, non, mais ce que je vous D'ailleurs, dis, j'ai que... croisé un jeune homme avec un chapeau blanc, là, dans le couloir. Très gentil, en tout cas. Oui, oui. Je sais pas ben si non, pas gentil pas. Du tout, pas gentil du tout. Papy, c'est de la prévention qu'ils font. Oui, ils font de la prévention. Mais imaginez, que l'ISAPD serait passé au même moment que vous êtes en train de jouer avec ces petits-enfants. Ils auraient cru que vous étiez un homme d'église. Je suis pas un homme d'église. Ça va, j'ai compris. Bah oui, vous êtes pas un homme d'église, vous êtes pas... Oui, pas... voilà. Tu es méchant. Voilà, vous avez pas une once de méchanceté en vous. Vous êtes quelqu'un de vraiment adorable. Papy, s'il vous plaît, quand même. Elle me l'a fait encore, elle a commencé. Mais oui, mais papy. Je change de chambre, c'est papy, elle voulait votre bite, pourquoi vous l'avez pas? Vous avez pas Mais change de chambre, morue. Connard. Mais pourquoi vous voulez...
Eh, vous auriez pu vous dégorger le poireau, je vous comprends pas là. Le poireau, je veux le dégorger avec qui je veux. Bon. Ouais, ouais. Bon, passons là, tonton, t'as pas le choix, là. Va falloir te calmer, sinon c'est la picouze. Hein. Eh ben, qui me la mette la picouze? Vas-y, vas-y, qui me la mette cette picouze? C'est la dernière fois, t'avais déjà retourné la chambre. Hein. Que de la gueule! Que de la gueule, la picouze! Lou? Où es-tu? T'inquiète pas, je vais trouver très rapidement. Alors, du coup... Non, c'est la chanson. Lou, où es-tu? Oh. Je connais pas du tout. Oh merde! Bon. Bon, allez, je suis de retour. C'est bon. Là, j'avais un gros pipi à faire. Entends-nous pas. J'ai croisé une petite vieille dans le couloir, très gentille, là, la demoiselle. Ouais. Enfin, la nous, dame. Nous aussi, on l'a croisée. Ben oui, elle m'a dit qu'elle venait dans sa chambre, c'était ici. Ouais, dis-moi. Ouais, mais il était pas très enthousiaste. Non, là, je suis actuellement à l'hôpital, mais... j'ai repris mon service. Papy. Ouais, oui, je peux pas Il n'y a plus de papy, il n'y a plus de tonton. Judas, traître. Pas dire à force majeure. Je te parle plus. D'accord. Non, ouais, t'inquiète pas. Pas de problème, pas de problème. Tu m'as trahi. Et lui, c'est pour la deuxième fois que tu me trahis. Non, mais... Papy. J'ai un mauvais pressentiment. Ton doigt, je vais te le mettre dans ton cul si tu continues. Voilà, quoi, je sais pas ce que ça peut arriver. Voilà, bonne nuit. Donc, Ouais, mais... Attends, j'ai un appel d'Athéna manquant. Il n'y a plus besoin de la picouse, du coup. Mais c'est bon. J'ai fait ma picouse à ma façon. Hein. Un petit coup de boule et c'est bon. Bon, du coup, on vient te chercher demain, ok? Ok, pas de problème. Allez, papy. À demain. Lou? Allez, faites beau rêve, tonton. Il se passe quoi? Allez, on y va. Je vois que vous êtes occupé, on va vous laisser aller. Allez, merci, bonne nuit, papy, à demain, je viendrai vous voir. Bon, vous l'avez bon. Ouais. Oui, je l'ai. Comment dire? J'ai fait ma picouse. Urgence ma ou pas là? Allez, ben. Comment ça, allez, se passe? Allez au boulot, faites ce que vous avez. Ok, je recontacte. Putain, mais ils vont pas nous foutre la paix, ces bandes de fils de pute. J'appelle Aïssa Pidi. Qu'est-ce qui se passe? On se fait tirer dessus depuis deux jours. Ouais, on a des.